chers compatriotes Yakaeteke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kwamout. Fourier, bapang ma mene bayaka. Kitwe ka file kitwe ka nwanina. Betu ye bateke twene kimakimos. Twene bapang. Bateke ye bet twene kimakimos. Tukatula ka yengo mukati de bet. Tukala ko kimos. Ye basuta ba bet ba far dese. Ye ba police mu sa ton kulambel. Nzenze katuhuni. Aux confessions religieuses, distingué ministre dédié, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FRDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuient sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandundu. On a bandé ko baso ya Grand Bandundu. Ozala moteke, ozala moyaka. Biso baso toza tata moko mama moko. Tozo senga na bino. Ata ozali na mai. Ata ozali na biloka kolia. Po pesa munguna te. Bimisa bango polele na FRDC pe ya police nationale congolaise. Pote kimia solo solo et mon âme. Aux jeunes du Grand Bandundu, désolidarisez-vous des groupes des inciviques. Dénoncez leur réseau. Quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, c'est assurer l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Batata ba mama ya Grand Bandundu. Beto kodisa bana na beto na kuzola insi ya Congo. Na kulakisa bao, kuzola ya insi na kati ya mabuta. Kupesa lusadisu na mpulusu mpi na forces armées ya République démocratique ya Congo. Kukodisa ngemba mpamba ve, kutomboma ya Grand Bandundu, ikele mfundo mingi, sambu na République démocratique ya Congo. Le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, le jeudi 13 octobre 2022, présidé la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-général Tshiwewe Songhe Sacrifiant, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo entrant et le général d'armée Mbalamon Saint-Célestin sortant. Cette grandiose prise d'armes s'est déroulée devant les bâtiments du grand quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence des autorités politico-administratives, des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, des attachés de défense de pays accrédités en RDC. Cinq grands temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la remise de l'étendard du commandement au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République et commandant suprême des forces armées. La prestation de serment par le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la lecture des ordonnances présidentielles de nomination par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les mots des circonstances du chef d'état-major sortant et le défilé militaire pour boucler la parade. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a remis au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo l'étendard, symbole du commandement. Le lieutenant général Sacrifiant, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre
jusqu'au sacrifice du règne. Bravo. Et très sincères félicitations. Aussitôt l'étendard lui remis, le chef d'état-major général entrant a prêté serment devant le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo en ces termes. Moi, l'étendard général, si vous le sentez, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter toutes les lois, l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrées, toutes les forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Peu avant, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a lu les ordonnances présidentielles nommant les chefs d'état-major général et ses deux adjoints. Deux ordonnances, numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général du Réveil du premier salut de l'honneur, pour m'attribuer 122 Dans son monde des circonstances, le général d'armée Mbalamu Sense Célestin, chef d'état-major général sortant, a exprimé sa reconnaissance à l'autorité suprême pour lui avoir renouvelé sa confiance de son accession à la magistrature suprême du pays et a invité les officiers et hommes de troupes à obéir et à respecter le nouveau chef d'état-major général, aussi qu'à exécuter scrupuleusement ses instructions. Au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent. Je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez réservée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées. Ces remerciements sont autant appuyés à l'égard de votre suprême autorité pour m'avoir renouvelé cette confiance en un moment de haute portée historique de notre pays qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, a connu sa première alternance politique. Excellent. Je profite de cet instant pour solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant-général Tshiwewe, qui prend cette prestigieuse fonction à une période aussi particulière de la marche de notre pays. Général, de prime abord, je m'acquitte de du noble devoir d'adresser à vous et à toute votre équipe des vives félicitations pour votre désignation à cette prestigieuse fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et vous souhaite un succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je félicite tous les heureux promus en grade qui vous accompagneront durant votre mandat à ce stade.
chef d'état-major général. Au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement, la guerre écume l'est de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans le territoire de Konout, en province de Nanyomé. Connaissant votre sens aigu d'écoute et vos capacités managériales, et par conséquent, je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. Auparavant, l'entrant et les sortants ont fait la remise et reprise administrative. Un défilé militaire a clôturé cette manifestation avant la prise des photos souvenirs.
nouvelle fonction ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, au quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncé pour ce jeudi 13 octobre 2022 par les commandants suprêmes. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généraux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance des prises de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Allez, la presse. Ici est de signaler que d'autres séries de cérémonies de remises et reprises ont eu lieu le mardi 11 octobre entre les général-major Itchali Gonza Duru Jacques et les lieutenants-général Yav Kabei Jean-Claude, respectivement, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et les chefs d'état-major général adjoint sortants. Également entre les général-major Kasonga Chibangu Léon Richard et le lieutenant-général Ndima Konga Constant, respectivement, chef d'état-major général adjoint entrant en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chico Chitambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obed Ribasiro. Lundi 10 octobre 2022, au camp lieutenant-colonel Kokolo, à l'état-major général, une cérémonie de remise et reprise a eu lieu entre le général de brigade Vunga Limnimbob, sous-chef d'état-major général sortant en charge des logistiques, et son successeur, le général-major Kipongo Bora Théophile. C'était en présence des officiers supérieurs et le personnel civil de cette structure de l'état-major général. En effet, le général de brigade Vunga Lim Lim Bob, sous-chef d'état-major sortant, a, après la passation du bâton de commandement, s'est adressé à qui il a invité à l'amour du prochain et de Dieu. C'est dans cette même atmosphère que chef d'état-major en charge de logistique entrant, le général-major Kipongo Bora Théophile, a promis à son prédécesseur d'emboîter ses pas, en se focalisant sur quatre éléments qui seront d'application jusqu'à la fin de son pouvoir. Le point clé, c'est la discipline d'abord, puisque nous disons que la discipline, c'est ce qu'on appelle la mère des armées. Quand il n'y a pas la discipline, on ne peut rien faire. Et comme nous sommes dans le domaine de la logistique, vous savez que la logistique gère le matériel de l'armée. Et vous connaissez aussi que actuellement, notre pays connaît des problèmes en ce qui concerne la logistique, surtout sur le champ de bataille ou dans les opérations là-bas. Donc, il faut que nous ayons la rigueur dans la gestion. Parce que nous sommes conscients que l'échelon supérieur va nous accorder des moyens pour l'armée, mais il faut qu'il y ait la rigueur dans la gestion de ces matériels. C'est ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut de la transparence. La transparence est tout dans la gestion même. La gestion des matériels de l'armée, la gestion des matériels de l'État. Il faut la transparence. Et c'est ce que j'ai toujours prôné partout où je suis passé, la transparence. Et dernier lieu, c'est le travail. Moi, j'aime beaucoup le travail. Nous travaillons toujours suivant la vision de l'autorité. Le chef de l'État, il tient sur ça. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Cette cérémonie s'est clôturée par un cocktail. Nommé sous-chef d'état-major général en charge de la logistique dans les récentes ordonnances promulguées par le président de la République, commandant suprême portant nomination au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Kipombo Bora, commandant première base logistique, première zone de défense sortant, a remis officiellement les bâtons de commandement de cette unité au colonel diplômé d'état-major Matamba Mukonga Alain, ce lundi 10 octobre 2022.
La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée dans les installations de la première base logistique, première zone de défense à Kinshasa, Gombe. Le commandant première base logistique, première zone de défense sortant a demandé à son successeur de bien gérer les hommes sous son commandement pour le bon fonctionnement de cette unité. Aussitôt, le général-major Kimpongo a procédé à la présentation de différents chefs de département de cette structure de FRDC. L'administration du personnel de la pour la maintenance collabore avec le colonel Mombita. Le bataillon TG, nous avons le bataillon transport. Tous ces véhicules-là que je parle. Nous avons le bataillon ordonnance. Ce que je parle en même temps au commandant, au nouveau commandant, et je le parle à vous. La discipline, la rigueur, transparence et le travail. Prenant la parole, le nouveau commandant première base logistique, première zone de défense a promis la continuité des travaux annoncés par son prédécesseur. Il a aussi rappelé la discipline aux nouveaux collaborateurs ainsi que la rigueur au travail. Le colonel Dem Matamba Alain a ensuite visité les différents bureaux de la base logistique, première zone de défense. À l'ouverture de l'Assemblée constitutive et élective, le groupement Omnisport Militaire, conduit par la direction sportive et physique de la Ligue nationale de football, représenté par M. Innocent Kaboulo, a procédé à l'élection et à l'installation du comité directeur de cette équipe nationale militaire F5COI FARDC. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 12 octobre 2022 dans l'enceinte de l'état-major de cette unité sportive. Élu pour un mandat de 3 ans, ce comité a pour objectif d'amener les F5COI FARDC à remporter les sacres aux différents championnats, tant provincial que national. Le comité élu se présente de la manière suivante. Le lieutenant-colonel Basanga Patrick, président sportif. Le major Kai Ibuanga Michel, vice-président. Le capitaine Kasongo Mbadi Patrick, secrétaire sportif. Capitaine Mbala Wolo, trésorier. Capitaine Lupumpu Misenga, secrétaire adjoint. Suivi de 4 conseillers, le major aumônier Dingidi Ladiedone, major Zim Menoir Christina, le capitaine Lemba Ndozao Bradi et le personnel féminin militaire Matondo Malonda Nato. Après l'installation du comité Basanga, le représentant de l'institution sportive Linafoot, M. Innocent Kaboulo, s'est déclaré satisfait des efforts déployés par l'armée pour l'affiliation de son équipe dans le championnat provincial qui va bientôt démarrer. Par ailleurs, il a rappelé au groupement Omnisport Militaire, aux membres sympathisants et aux joueurs de l'équipe militaire présents, les règlements généraux et sportifs du championnat congolais. Rappelons que le F5COI FARDC avait cessé d'exister depuis 1972, elle a repris ses activités en début de cette année. Au sorti de l'audience, quelques participants se sont exprimés au micro des co-militaires. En ce moment ici, comme président de l'équipe nationale militaire F5COI FARDC. Vraiment, l'objectif est que nous puissions jouer le titre. Parce que F5COI doit toujours prôner victoire. Nous devons jouer de victoire en victoire et avoir le titre. Et puis nous irons un peu plus loin là. Vraiment, nous sommes disposés à tout faire pour que l'équipe aille de l'avant. Et c'est l'un des signes. Tout d'abord, pour nous appeler un soldat, naïdé va continuer à biso basui. Et ça la tête qui basui en haut bouéba sur le bas, mais mangou tina souka. Donc à bas F5COI kala, les alakate, donc à les alakwa va finir biso kabas babo. Père son âme malgré tout, pour faire bêta la F5COI kala, les lobbies soupe va quitter mieux en akati. De ces pays qui ont négé l'équipe en haut salami. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a débuté mercredi 12 octobre 2022 à la prison militaire de Ndolo, son audience dans l'affaire de meurtre de Luca Attanasio, ancien ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Le tribunal présidé par le major magistrat Eumempia Freddy a vérifié l'identité des prévenus Amos Mutaga Bahati Kiboko, Chirumanya Marco Prince,
Amidou Sembeza, Babou, Issa Seba Yane, Mourouana Chaka, Mouchahara. Ajouté à cela, Junior et André, non autrement identifiés. Au total, ces prévenus ont été déférés devant le juge par le ministère public, représenté par le lieutenant-colonel magistrat Malik Kidogo, pour trois infractions, à savoir association de malfaiteurs, détention sans titre ni droit, des armes et munitions de guerre et meurtre. Les faits de la cause. Renseigne qu'en date du 22 février 2021, ces prévenus ont abattu l'ancien ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo avec ses deux compagnons, à savoir Victorio Lakovac, son garde du corps, et Mirambo Kambale Mustafa, chauffeur du programme alimentaire mondial au village Lulindi, groupement de Kibumba, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Quant au préalable, avant l'instruction sur le fond, les avocats de prévenus ont sollicité une remise à la huitaine pour consulter le dossier et préparer valablement la défense de leurs clients. Le tribunal a accédé à la demande et renvoyé la cause au mercredi 19 octobre 2022. Il s'y est de signaler que cette audience s'est déroulée en présence du nouvel ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrongheli.